Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Belizer. Un plaisir, l'autre fois encore pour ensemble, pour nous un grand point cap dominé. Actualité, quelques grands points cap dominé, actualité ça. Actualité ici aux États-Unis, président Joe Biden annonce une grosse mesure de soulagement pour immigrants qui vivent sans papier mais qui sont mariés avec un natif natal américain. Actualité dans la région Moyen-Orient, plusieurs milliers d'Israéliens manifestés dans la ville de Jérusalem pour protester contre la façon Premier ministre Benjamin Netanyahu a géré la guerre dans Gaza. Président russe Vladimir Poutine arrive jeudi mardi 18 juin 2024 là, dans le pays Corée du Nord pour une visite de 2 jours. Et puis dans le pays d'Haïti, individu Axam assassiné 4 personnes, 3 frères avec une cousine dans Delma 33, pendant que PNH lui-même continue à mener opération dans Badelma. C'est point ça, yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Et gros nouvelle là, c'est président Joe Biden qui a annoncé dans un décret que le point pour protéger mari ou soit madame citoyen américain qui vivent illégalement depuis 10 ans ici aux États-Unis. Jean-Robert Absu pour nous de très près dossier ça. Et Jean-Robert, et premier bagaille, et nous t'a dit, ba nous moun qui qualifié dans cadre projet ça, dans cadre décret ça que le président Joe Biden fait que ce point là depuis la Maison Blanche. Eh bien, bon Jacqueline, et j'en dis à moun qui qualifié d'abord c'est madame ou bien mari, un citoyen américain mais qui au moins t'a vu dans le pays pour depuis 10 ans mais qui pas qui était illégal, dit moun qui qualifié. Et puis gen tout et son moun jusqu'à hier, pratiquement jusqu'à 17 juin et mesure ça li appliqué mais faut ou habiter aux États-Unis, faut qu'on t'a vivre aux États-Unis et faut qu'on t'est illégal et faut marier avec un citoyen américain. Donc là nous dit aux citoyens américains ici aux États-Unis, président Joe Biden nous dit aux citoyens américains il est capable un citoyen il capable yon un monde qui d'origine qui fait dans pays a ou bien un monde qui vient naturaliser américain Jean-Bert si bien comprendre. Bon en principe Jacqueline, américain c'est américain côté citoyenneté là des capables sous ça il dit que il faut que son citoyen américain donc que c'était naturalisé ou bien né américain sur territoire de vous sont américain eh bien madame ou bien maou yo qualifié pour d'abord une citoyen d'abord une résident appliqué pour résidence ensuite il est capable d'être citoyen américain puis devant. Mais son loi que président Biden dit que il permet que les gens qui étaient dans le cachet parce que pas de retourner dans le pays pour être en résidence, et bien pas de aller à pour éviter des problèmes, ils ont choisi d'être en limbo et demander pour sortir de qu'on a décret ça, les favorables pour eux, ils ont fait application pour venir une résidence américaine, et puis devant venir un citoyen américain. Jean-Ben, en général, là, fait décret ça, il a toujours parlé de dreamers. Ça veut dire, si vous êtes rentré avec parents, aux États-Unis, vous n'avez pas quand même de connaissances, même dreamers. Est-ce que ça décret ça a un rapport avec vous? Alors, on a dit qu'en 2012, le président Biden était vice-président et président Obama à l'époque-là. Le président Obama a fait et a pris un décret tout pour te favoriser Timon Sayo et le DACA. C'est des dreamers, c'est Timon qui a privé et qui est venu dans le pays de façon illégale avec parents parce que Timon n'a pas aucune responsabilité dans ce qui est passé. Donc, Timon Sayo était dans le pays, il n'a pas connu aucun autre pays que les États-Unis. C'est là qu'il va aller à l'école, c'est là qu'il va apprendre le métier. Et bien, président Obama te prendre des crèches à peu. Mais je dis encore, il y a un pile d'ailleurs qui viennent des professionnels, et bien président Biden, by des guides, on parle de marche à suivre, pour que tout le monde soit même, yo capable et viennent appliquer tout pour qu'il y ait une résidence. Alors, j'ai une femme babillée pour dire que tout le monde, par exemple, qui prend naissance, ou bien tout le monde, petit citoyen américain, ou bien citoyen, ça, qui t'a vu dans le pays illégalement, qui a moins de 21 ans, et bien, yo même tout. Pourvu que yo n'a pas un citoyen américain, et bien, tout le monde, ça, qui était illégal, dans le pays à tout, ils ont même tout, ils ont capable d'appliquer pour une résidence sans ne pas quitter les États-Unis. Jean-Bert, nous connaissons que les questions d'immigration sont des questions qui sont très sensibles, surtout que nous avons une année électorale. Est-ce que y a une réaction du côté républicain, du côté démocrate sur la question ça? Nous connaissons 5 mois environ de l'élection présidentielle, donc 5 novembre 2024. Là. Quelle réaction que sortit après le décret présidentiel ça?
La première réaction de Jacqueline, c'est un porte-parole et campagne président Donald Trump, qui considère la décision ça comme une amnistie. Et il dit que président Trump, et ancien président Trump, qui est candidat à parti républicain pour l'élection présidentielle 2024, et bien, s'il remporte l'élection, il a pas de promesse pour le faire, promesse qu'il a fait pour que lui-même lui applique la loi et que écraser le décret ça qui va mounir amnistie, j'en que je considère là. Pour bon côté démocrate, il y a une sénatrice et Massachusetts, là, Elizabeth Warren, qui lui-même bat bravo pour décision. Il dit que le président Biden utilise exactement les outils que le Guénamel pour que les Kembi famille unifiée et que c'est ça qui fait valeur américaine. Il y a un autre sénateur républicain, c'est Bill Cassidy, lui-même, qui est sénateur Louisiane. Et bien, lui-même, il dit que son bail, il dit que le président Biden, c'est le président Biden, et cuit un gâteau et il mange gâteau pour côté. Il y a un côté, il prend mesure dernièrement là pour te serrer boulon, immigrant qui a sauté sous frontière, qui a demandé asile pour dire que il n'y a pas de demander asile. Et l'autre côté, il voulait faire plaisir avec mon démocrate progressiste pour dire que bon licencié avec sentiment ça pour qu'un bif famille unie et bien la quitter tout pour ça et rester dans le pays. Donc c'est une déclaration mi-fig mi-raisin, mais normalement les républicains ont des outils dans le pays pour continuer à critiquer le système d'immigration et administration Biden. Mais cependant, il y a l'autre démocrate qui dit que il croit que mesure ça il est temps pour grand changement. Qui fait fort congrès lui-même, il travaille qu'on y a là pour passer une sorte de proposition de loi pour justement résoudre le problème immigration ça et permettre que et tout le monde qu'on y a une meilleure façon pour aller pour rester dans le pays et faire avancer. Donc c'est républicain ça, c'est Sherrod qui sont démocrates, mais même il dit quoi que son mesure qui est difficile, c'est vrai, mais il dit congrès a ses responsabilités aujourd'hui pour que l'IA adopte des mesures qui pour résoudre le problème immigration ça, Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, sous dernier gros décision ça qui se prend là côté que président Joe Biden depuis la Maison Blanche lui-même t'a annoncé décret ça. Merci Jean-Robert Philippe. Et puis l'autre point dans actualité à c'est président Russe Vladimir Poutine qui arrivait dans Corée du Nord et faut dire que visite ça fait dans moment que l'OTAN lui-même avec les États-Unis yo critiqué décision ça dans Washington DC même. Nous va rejoindre Sandra Lemaire. Dans le moment, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a voyagé dans Pyongyang, Corée du Nord, mardi, pour une rencontre au sommet avec les deux pays SAA, Kim Jong-un, responsable de l'OTAN avec les États-Unis, critiquait la visite là. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit, journaliste dans Washington, que la Russie a essayé de relationner avec pays qui kabali sale besoin pour continuer l'agression contre l'Ukraine. North Korea is providing significant munitions to Russia. Les dix Corée du Nord a fourni la Russie un paquet de munitions importants à l'autre armes qui a servi contre l'Ukraine. Iran fournit gros armes lourdes à drones que les servis contre civils et infrastructures civiles. J'en ai déjà dit, nous avons gros qui a sauté par rapport à la Chine. Pas à cause d'armes là-bas, mais plutôt la fourni la Russie sale besoin pour que l'industrie défense russe là capable de produire plus tanks, plus munitions avec missiles. Jens Stoltenberg a visité Washington semaine ça, critiqué la Russie tout. Putin's visit to North Korea demonstrates and confirms the very close alignment between Les visites Poutine en Corée du Nord montrer et confirmer la Russie cocotte à Figaro à régime seul coq chanté par élite en Corée du Nord et tout la Chine avec Iran. Avant d'y arriver Pyongyang, Poutine te remercie Corée du Nord pour support li bay Moscou par rapport à activité la menée dans Ukraine et puis dit pays yo pral coopérer serré pour lever défi sanctions États-Unis opposé pour yo. Commentaire Poutine yo paraît dans un éditorial que Média Corée du Nord a publié quelques temps avant l'été débarqué pour une visite qui a duré jusqu'à mercredi. La Russie dit Poutine a intention de renforcer les relations bilatérales face à la confrontation avec Washington qui a intensifié.
Corée du Nord, bon côté Pali, en bas sanction sévère, Nations Unies, pour tel programme missile nucléaire, l'IA. La Russie même a fait face avec sanctions États-Unis à calié occidental, y ont été sous dole, à cause agression, li, dans Ukraine. Autorité américaine et sud-coréen, y ont dit, échange militaire, économique, à l'autre échange encore, augmenté en pile, depuis Kim Jong-un, t'es rencontré Poutine dans le mois de septembre année passée à la région extrême-orient la Russie. C'était première rencontre face à face depuis 2019. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Actualité maintenant nous dans la région Moyen-Orient côté plusieurs milliers palestiniens israéliens plutôt prend la rue Jérusalem donc dans le pays Israël pour dénoncer façon Premier ministre Benjamin Netanyahu a mené guerre dans Gaza. Gentil Augustin Junior, gain détail. Manifestants anti-gouvernemental te prend direction Jérusalem hier lundi 17 juin 2024 là pour mander une élection avant l'heure pour remplacer Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui yon l'autre fois encore, chita nan tête youn nan coalition, qui pile à droite nan histoire Israël. Processus guérison pays Israël là, commencé ici là. L'été commencé semaine passée ya, les Benny Gantz ak Eisenkot te quitté coalition. N'a continué processus ça. Et puis, espérer que gouvernement ça, pral démissionner bientôt parce que s'il n'est pas démissionné, Israël pas si vive. Yon gouvernement unité pendant la guerre effondré ça fait yon semaine. Les deux anciens généraux centristes Benny Gantz et Gadi Eisenkot te démissionné. Agenda intransigeant yo te la cause yon gros division dans société israélienne même avant attaque Hamas 7 octobre 2023 qui te provoqué la guerre en Gaza. We have to replace this nous devons remplacer mauvais gouvernement ça. C'est temps nous. 120 otages toujours dans Gaza. Nous devons remplacer gouvernement. Ça c'est seule façon pour nous faire retourner à récupérer Israël. Pays nous remet en pile là. Nous devons continuer goumer. Nous devons continuer manifester jusqu'à ce que nous récupérer Israël. Pendant coucher soleil là, yon foule moun t'est rassemblé devant parlement Israël là. Et yo t'est planifié pour yo marcher al devant kay privé Netanyahu nan ville la. En pile te levé drapeau israélien yo. Gen l'autre qui te porté pancarte qui critique traitement Netanyahu nan problème important yo. Hope that the Israeli people will come. Moi espéré que peuple Israël la pral sorti en foule pour di assez à gouvernement israélien ak Netanyahu. Et moi espéré que ça se joua pour commencer changement nan destruction que Netanyahu te fait nan yon révolution. Et puis ensuite revive société israélien ak peuple Israël la. Pendant peuple la a manifesté pour déchouquer gouvernement, Premier ministre Benjamin Netanyahu sou yon l'autre bord a mandé États-Unis pour le par état des armes et munitions li t'a voyé par Israël là. Secrétaire Blinken t'a assuré que administration a travaillé la journée kou la nuit pour éliminer blocage sa yo. Moi certainement espéré que c'est car l'état doué car pendant deuxième guerre mondiale là Churchill t'a dit États-Unis ban nous outils yo nous pral faire travail là. Et moi, m'di, ban nous outils yo, et puis nous pral fini travail la pi vite. Yon drone te montre yon full moon qui t'a manifesté depuis samedi 15 juin 2024 là, contre gouvernement Premier ministre Netanyahu, pour façon la gérer crise la guerre, kap continue ak sa yo considéré comme yon échec pour joindre yon accord à groupe armé Hamas là. Malgré gen plusieurs arrestations, protestation an pa kanpe. Manifestant yo di, objectif la, c'est déchouquer gouvernement sa, et mande yon élection en avant lè. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Ou toujours sous VOA Creole, ou ap suivi yon programme nan langue créole haïtien actualité concernant et pays d'Haïti nan un petit moment. Operator.
Oui, ou fait le bon choix, ou choisi VOA Creole pour informer ou actualité à dans pays d'Haïti et bandi exam assassiné 4 moun nan seule famille dans Delma 33. Moun sa yo ki assassiné en dans la kayo, c'est Renold Pierre, Widolf Pierre, Rinaldo Pierre, trois frères et James Lamaslin, yo présenté comme cousine monsieur yo. Selon juge de paix qui t'a le fait et constat, cadavre victime yo t'est chargé ak troubal. Si constance zak assassinat et ça arrêté jusqu'à présent flou selon autorité la justice. Pendant ce temps, gen police nationale là, lui-même qui continue à mener opération dans Badelma avec objectif pour déchouquer et gangamer qui dans zone là, mais poko gagner et bilan sous opération que la police a mené dans Badelma. Toujours concernant le pays d'Haïti, nouveau ministre finance là, Kathleen Florestal, promet cette réforme pour rationaliser dépenses et encourager investissement public et privé dans l'idée pour augmenter croissance économique. Yves Manuel, c'est correspondant à nous, dans Port-au-Prince. Premier ministre Gary Conille installé lundi 17 juin, nouveau titulaire ministère planification et coopération externe, qui c'est en même temps ministre économie et finance, madame Kathleen Florestal. Chef gouvernement dit compter sous compétence et dynamisme ministre dans l'idée pour aider à redresser situation. L'accession à ce poste de grande responsabilité lui confère une obligation de résultat qui fait écho aux attentes de la population aux abois depuis plusieurs années. Ce ministère qui se situe en amont et au cœur de l'action gouvernementale est parfois soumis à des situations ubuesques et à des années-lumière de sa véritable mission qui est d'irriguer la gestion publique de politiques rationnelles, d'une méthode d'action et une mise en cohérence des initiatives gouvernementales. Fraîchement installée dans Postli, Mme Kathleen Florestal a profité de remercier même conseil présidentiel transition avec le Premier ministre le fait qu'il a confié le portefeuille ministère économie et finance avec planification et coopération externe. Madame Kathleen reconnaît tâche la loue et gagne le dossier brûlant captain. Ces deux ministères, le MEF et le MPC, ont un rôle exceptionnel à jouer dans la relance économique, la création d'emplois et par ricochet la réduction de la pauvreté et le renforcement de la santé physique, mentale, sanitaire de la population. Je sais que la tâche sera lourde. Je sais qu'il y a beaucoup de dossiers brûlants et probablement beaucoup plus. Investissement public, assainissement finance publique, c'est quelques gros défis captain nouveau titulaire MEF là. Cérémonie investissement nouvelle ministre économie et finance là déroulé en présence ministre sortant Michel Patrick Boisvert, gouverneur Banque centrale là, représentant Cour supérieure des comptes, sans compter des cadres dans ministère économie et finance. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Pendant ce temps, toujours gain débat dans le pays d'Haïti concernant mission et multinationale pour aider, pour appuyer sécurité dans le pays d'Haïti. Gain plusieurs, nous connaissons que gain président pays Kenya, William Ruto, qui t'a déjà dit dans deux semaines, t'as gain force que en premier contingent t'as commencé. Donc, jusqu'à présent, et toujours manqué confirmation sous qui les forces ça a entré. Gain pile information qu'a sorti dans Nairobi, gain information qu'a sorti tout dans le pays d'Haïti. Ben, jusqu'à présent, pour qu'on gagne une date officielle qui fixée pour qu'est-ce que ça? Eh bien, nous-mêmes dans VOA Creole, on a essayé de joindre le maximum d'informations pour nous porter pour vous concernant et question ça. Et puis, gagner un groupe qui les têtes, Petro Challenger, nous sommes groupe ça. Eh bien, c'est un groupe ça qui demandait pour le Premier ministre Gary Conille pour prendre toute disposition pour faire réforme nécessaire dans l'administration publique pour gommer contre corruption et insécurité. Plus de détails avec Ona Toussaint depuis Port-au-Prince. Premier ministre Gary Conille, dans une déclaration, t'a dit, il prend la bataille contre corruption, insécurité, et il prend faire réforme nécessaire tout, dans l'administration publique là, pour capable améliorer situation sociopolitique et économique là, en Haïti. Une déclaration qui joint approbation, groupe Petro Challenger, nos papes complices, que Ricardo Florido a dirigé. Ricardo Florido a demandé PM Gary Conille, prend toute disposition pour permettre à ce que citoyens cap recevoir transfert à l'étranger yo touché comme yo en Haïti en dollars américains. On parle d'économie robuste, mais plus gros bagage presse là pays a tenir dans monde
c'est décret ça, nous connaissons Jovenel Moïse depuis le 17 juin, qui a modifié le décret 6 juin 89 là, qui permet que pas personne dans le journaliste qui l'a, si vous voyez un cop pour pas prendre un goût, ou pas prendre un dollar. Vous exigez comment vous prenez un cop là. Le pire, vous demandez fois où vous avez un banque pour vous mettre un cop dollar pour vous. Malgré vous avez un banque là, l'oral de l'argent, vous dites pas de roule. Je pense que le premier bagage pour Gary Koni faire le résoudre le problème de sécurité, le décret ça, il faut le modifier pour le voir le jeter. Parce que lui affaiblit la classe moyenne. Je parle avec un monde dans la classe moyenne qui a une famille qui est directeur en banque. Pour lui jouer 10 000 dollars américains pour l'acheter à l'étranger, c'est toute une casquette chinoise. Je n'ai pas besoin de dire pour nous-mêmes qui avons fait tirer fort dans la classe moyenne pour nous dire comment on pense qu'on va parler de l'économie robuste. Pour classe moyenne, non, lui-même, il n'y a pas acheter, il n'y a pas faire business. C'est comme si dollars qui arrêtaient dans mon seul groupe monde, dans mes groupes monde qui gagnent banque simplement. Depuis sous administration, ancien premier ministre Ariel Henry, un peu le ministre installé Biroyo dans l'hôtel à cause problème insécurité, qui empêche yo aller dans le bâtiment que l'État haïtien réservé pour ça. Jonathan Renoir souhaitait premier ministre Gary Koni prendre toute disposition pour corriger situation ça. Il n'est pas normal pour nous continuer avec la même pratique équipe Ariel là, de commencer. Le fait que ensemble des ministres, c'est dans l'hôtel, il y a loué pour mettre bureau. C'est dans l'autre espace, il y a loué pour mettre bureau. Pendant que l'espace l'État était vide, cause insécurité, il n'y a pas de descendre pour aller dans le bureau. Nous connaissons que nous avons force de l'ordre, nous avons la police et nous avons l'armée d'Haïti qui a une responsabilité et mission pour la sécurité dans le pays. Et bien, PM Gary Koni doit mettre tout. Disposition en place dans la police là, dans l'armée pour que nous porter solution avec ça, pour que nous suspend, gaspiller l'argent pays là, dans louer hôtel pour loger bureau pendant que espace l'État n'y a pas jamais descendre là-dedans pour raison insécurité. C'est un dossier n'a suivre. Ouais, dans tout ça pour VOA Créole Port-au-Prince. Donc, question insécurité a toujours dans l'actualité et pour un pile observateur, pour un pile analyste, c'est yon un gros défi qui devant et nouvelle équipe gouvernementale là, que ce soit Premier ministre Gary Koni ou bien Conseil présidentiel et transition. Donc, yon toute responsabilité par rapport à insécurité a. Nous t'en disons ça qui passe dans Delma, côté que gen 4 moun qui mourit dans yon seule famille, 3 frères avec yon cousine, et nous t'en disons tout déblosaï qui fait dans zone Terre-Neuve, côté gon paquet moun ki perdu la vie. Donc c'est pour dire que question insécurité a toujours dans actualité a, et que gang yo même yo pas chômé, et que pendant ce temps eh ben en pile question à poser sous force multinationale qui gagne pour entrer dans pays d'Haïti. Et puis nous prenons dans le département nord pays a, eh ben gain ancien sénatrice Dieudonne Numa Etienne, conseiller membre conseil présidentiel transition qui sortit dans le département noir, eh ben chita ensemble pour continuer à divers chantiers tant que route nationale numéro 1 avec courant électrique qui était lancé sous ancien président Jovenel Moïse. Il demandait que gon paquet et projet qui était sous Jovenel Moïse pour relancer. Reportage correspondant nous dans ville Cap-Haïtien, deuxième ville pays, Gérard Maxino. Ancien sénatrice département Nord, Dieudonne Numa Etienne, bat bravo pour arriver docteur Gary Koni dans tête primature. Ancien parlementaire a dit li souhaité nouveau PM lan ak membre conseil présidentiel transition mette tête ensemble pour travail pour changement ak développement pays d'Haïti. Pendant que moi même m'a félicité à Dr. Gary Koni avec tout gouvernement qui est installé pour tant transition ça, moi-même m'a profité pour demander monsieur Damio mettez toute énergie au profit de un changement pour pays, parce que tout haïtien quitte sa cap vivre en Haïti ou à vivre à l'étranger réaliser que c'est pas pays a qui problème non, mais c'est nous-mêmes haïtiens qui problème non. Donc faut qu'on résout problème non. Ancien parlementaire Noah qui était élu en Babanière parti haïtien tête calé PHTK mandé membre conseil présidentiel transition qui sorti dans département Noah continuer certains chantiers ancien président Jovenel Moïse te commencé. Gon ensemble de projets, gon ensemble de activités qui t'a fait dans département. Moi-même, me rappelais, c'est un fait en Limbé, lorsque le président qui m'a assassiné, président Jovenel,
que moi été accompagné pour nous tal lancer travaux pour tronçon route tronçon route ça qui sorti de Kankok pour arriver et Vaudreuil. Donc tout un ensemble de chantiers pour faire courant 24 sur 24, non seulement dans la ville Cap-Haïtien, mais dans plusieurs autres communes dans le département. Chantier pour faire tronçon route, gardez jodi à la situation et l'on sorti Saint-Raphaël pour entrer dans la ville Cap-Haïtien, pour entrer de Barrière Batan, gardez situation tronçon route ça. Donc, un ensemble de chantiers, moi, quoi que, pour que vous continuez. Dieu donne l'humain, Étienne, dit gouvernement transition, pas ta douée longue. Yo supposé dégager ou mettre machine électorale sous pied une façon pour gagner élection qui organisée dans pays a Jira Maxino Cap-Haïtien pour la foi de l'Amérique. Donc définitivement et non seulement question ça mais question insécurité a toujours dans actualité et d'après un rapport Nations Unies entre janvier et décembre 2023 gen 128 timoun mouri en babal selon un rapport Nations Unies et d'après Organisation Internationale pour Migration OIM quantité citoyens en Haïti qui couri quitter kayo à cause activité gangyo qui intensifié depuis mois mars là rivé à presque 600,000 donc c'est yon accent que vous mettez sous moun kap déplacé. C'est un coup par exemple Philippe et Branchat qui chef organisation Nations Unies en Haïti et ben il dit chiffre nous ouais jodi a c'est conséquence directe année violence a kap augmenté pour arriver dans un niveau qui pire passé ça nous t'est enregistré en février avec impact humanitaire catastrophique yo. Il dit crise là qui pas jamais suspendre en Haïti et ben li a forcé pi plus moun couri quitter kayo et puis quitter toute bagaille derrière ça veut dire la kayo et grand pile moun qui obligé à le réfugier dans plusieurs villes et provinces. Donc situation ça qui rend et ben compliqué et c'est yon un gros défi qui devant et nouvelle équipe là on a parlé de Premier ministre Gary Conny avec conseil présidentiel transition yo et yo même yo déjà dit que y a attaqué problème là et tant que nous capable tendre dans nouvelle là et ben la police lui-même li a metté les bouchées doubles et il commencer mener plusieurs opérations dans Delma et puis l'autre gros point dans actualité c'est Bouillon Boule qui gagne là dans Coupe d'Europe des Nations pour et ça fait sensation hier dans match qui te gagne mettre Autriche avec Espagne face à face sur match que la France gagne 1-0 mais gagne Kylian Mbappé superstar équipe française là et ben qui gon problème nan né qui ka nen ta cassé yo t'a parlé de opération mais finalement gagne yo ravisé yo et monsieur pral jouer avec yo mas mais yo dit yo pas prendre trop risque avec Kylian Mbappé parce que et ben yo dit yo pas prendre risque avec donc des matchs que la France gagne pour jouer contre la Hollande là donc le grand absent dans match ça c'est pral Kylian Mbappé devant et devant la Hollande qui c'est une gros équipe dans mondial là et puis jodi a tout gon l'autre match tête chargé gagne monde qui fanatique et superstar monsieur Ronaldo et ben Tchèque a joué contre et dans moment on a parlé là Tchèque a joué contre et Portugal et Tchèque gantan marqué yon gol nan 62e minute de jeu. C'est Provod qui marqué gol là pour Tchèque 1-0 malgré et domination que Portugal fait nan premier mi-temps avec possibilité même que Ronaldo t'a marqué mais ça pas fait. Nous connaît que Ronaldo avec l'âge de 39 ans, il faut le faire. Et ben monsieur a joué comme superstar pour pays Portugal. Donc même match là a joué qu'on y a. Nous pas connait qui résultat si on garder nous différé. Connait que ben du côté qu'on résultat les n'a tel tabay be commenter ça en direct. Donc match là 1-0 en faveur République Tchèque sous Portugal avec monsieur Cristiano Ronaldo à 39 ans qui a joué mais a PC ouais si capable et mettre et Ronaldo dans bonne condition pour monsieur faire la différence mais c'est pas toujours facile et puis n'attend tout dernier moment concernant dernière nouvelle concernant Mbappé
Et donc, nous connaissons que le pape joue vendredi contre la Hollande. Mes amis, c'est là, nous mettons fin dans le programme. Et puis, nous connaissons Boston Celtics, qui même c'est champion lié dans la NBA. Merci pour attention, nous. Merci pour fidélité, nous. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour te servir. Franklin, bons amis, nous saluons. Sans oublier Jean-Marc Hervé Abela, qui est chef pupitre là. Bonsoir tout le monde. Passez une bonne fin de soirée. Et puis, nous retrouvons demain. Moi, c'est Jacqueline Bélizère. Bonsoir. Est-ce que la police déterminée pour capable river mettre main dans pas de cassave barbecue? Comment situation ni même lié dans Badelma? Et qui ça qui commence à régler depuis on dit puis passer une semaine mais une semaine déjà qui va gagner que gouvernement connait dans même livre installé et nous qu'a dit que et plus passer un mois que conseil présidentiel a installé. Qui ça exactement que conseil a réglé? Et je dis, hein, est-ce que Rivé mission multinationale soutien sécurité à Haïti, hein, comment ça y est? Puisque un people cap dit la commission lui-même, ligue en plus, je ne suis pas capable de venir dans le pays à chaque monde qui pense, hein? Est-ce que peuple haïtien, hein, après t'étant, ça a passé? Désir comment est mon frère? L'invitation est-ce que nous avons dit nos enfants, mais nous sommes contents de rejoindre l'autre fois dans le Calfour pour venir parler de vérité avec les amis internautes qui branchent tout partout, tout simplement pour rechercher tout ça qui vient comme vérité en dedans pays d'Haïti. C'est ça qui permet que vous faites soi. Mais chaque nouvelle, Blaise Info, point nouvelle, votre Calbas Info, Racine Nouvelle Haïti. L'invitation opération, la police continue dans le bas d'Elma. En pile dans le monde qui soit un business dans la zone, qui te gagne dans la zone, tant mais à plein. La police démontre que yo pas campé, yo pas fait bac, yo pas prend pression, y a avancé. Y a cherché barbecue sous compte c'est peinti dans Badelma, yo pas ouais côté barbecue fait. En pile monde a dit Jean barbecue t'a parlé haut, Jean barbecue t'a parlé fort, et même barbecue semblait pas qu'après compas la police là. Plus passé 11 blindés débarqué dans quartier général barbecue, eh bien yo mettait barbecue dehors dans quartier général li. Tout le monde qui perd disposition, yo fait quoi ces rêves yo qui perdit? Et vous faites quoi c'est ta opération la police, yo pas quoi c'est comme ça, il t'a prouvé fait. Mais et opération bandit yo. Et opération bandit yo, qui en fait dans le débarqué dans zone yo. C'est plus gros question qu'a posé l'institution. Premier ministre Gary Conille entend pour continuer faire installation yon ensemble des ministres qui pratiquement fait partie gouvernement là. Capé c'est donc regarder sous base, promesse sous responsabilité que moun sa gagne par rapport avec crise que pays a. On est Gary Conille toujours montré que pays a pas qu'attendre par rapport avec situation difficile que peuple a connaît Blaise Peterson. La police pas suspend chercher maré femme bandit yo. Gen madame bandit kan bakod. Malgré a discuté virer langue, dit oui me connaît tel, non et mbagan et pour moi avec. Eh ben Blaise Peterson gon madame bandit kan bakod. Qui pral payer pour ça qu'elle te fait à travers la justice Blaise Peterson. Nous pral garder avec amis internautes yo. Dispositif cap essayer prendre la discussion jusqu'à présent qui kebe actualité souvini mission multinationale là diverses informations à bail pour dire que mission pas vini vrai pour dire que c'est la police qui pour entendre pour résoudre problème qui gèl dans pays hein. Est-ce que nous la police bon côté parle li capable résoudre problème non tant que j'en divers acteurs et conseil oui la police capable li besoin support li besoin moyens nécessaires pour attaquer bandi yo dans haute action qui a fait dans pays hein. Parce que peuple a dit li pas capable encore. Peuple a bouqué Blaise Peterson. Situation compliquée, li difficile en pile pour moun kap vivre dans quatre coins pays qui pa ka vaquer avec activité. Bandi yo continue à exposer quantité l'argent qui rien. Le mois sans jour, la kali moutre, on se de lias, l'argent qui marre pour moutre la payroll. La payroll. Bandi a bien passé. Pour la population toujours trouvé dans une situation très difficile. Kagen zin ki pété en dedans police nationale d'Haïti à Blaise Peterson. Jusqu'à présent, semble France LB par la Gépine. France LB a fait résistance pendant 9000 rameaux qui étaient dans le pays pour venir frapper contre bandits avec un pile motivation. Côté un paquet d'organisations, entendre pour dire, mon cher 9000 rameaux, ou qu'à pas écouter main, viens pas écouter main. Et France LB, divers secteurs en dedans pays, organisations politiques, organisations sociales, syndicats, la police, organisations qui défendent droit moun yo. Yo mande révocation et arrestation on nomme tant que France LB qui a un comportement laxisme, irresponsabilité dans tête la police qui permet plusieurs policiers perdre la vie pour mois, pour année 2024 tout simplement.
plus passé une vingtaine de policiers déjà perdu la vie. Si nous regardons la région métropolitaine, 80% là-dedans sous contrôle bandit. L'école pas qu'à fonctionner, l'université pas qu'à fonctionner, l'hôpital pas qu'à fonctionner, en basé, France LB qui te entend pour te garder, j'ai situation, te continuer, la situation a fait appel. Gagnons un avion militaire dominicain qui pratiquement entend, qui fait un survol sur rivière massacre là. En plus, le monde a posé cette question. Qui ça, avion militaire américain, dominicain, ça, pardon, te vin entendre pour te faire dans zone là. Ouais? Les pays a organisé, ils ont tout moyen. Pendant nous, on l'a mis dans le pays par nous, eh bien, autorité, les États-Unis d'Amérique, le Canada, si on ne pas reconnaître la mer pour sa autorité sans caractère, pas de faire des marches pour côté l'autre pays. Qui a une possibilité? Qui voulait venir des pays pour au moins équiper la mer pour résoudre le problème d'insécurité? En pile dans l'acte aussi, les États-Unis, le Canada, la France pas innocent dans le problème d'insécurité qui nous a là, eh bien, la question vini. Mission, après un an, que le Conseil de sécurité des Nations Unies, t'es autorisé, vu des missions dans le pays, ouais, jusqu'à présent, c'est où l'aime des bords, jusqu'à présent, c'est tout là, l'ito cap jouer, et même les personnes, l'hypothèse, en plus le désespoir. L'ouko désir, déprimé pendant quelques jours, les personnes, à travers une vidéo, que l'ouko désir, publié sur plusieurs plateformes, et l'ouko désir montrer, non, façon que on dit que petit li a mourir, et li pas quoi, c'est comme ça, petit li a mourir. Li t'a fait quoi? C'est un crime politique, que gérer bon qui a dans pays qui servit avec autorité policière aux États-Unis pour t'arriver permettre que crime ça arrive fait. Premier ministre Garconi entend pour visiter trois familles. Agent état qui mourir était visité s'il a qui couché sous cabane d'hôpital cap prend soin côté divers et acteurs c'est un bon geste qui montrait bon l'adresse qui montrait volonté que Garconi capable gain pour soutenir la police comme premier des policiers comme chef CSPN. Ensemble point ça au bord côté pam. Nous allons laisser garder ensemble les personnes, nous allons laisser analyser, nous allons décortiquer, examiner les internautes qui ont gardé tout partout. Les SMD des Ivenes dans un rapport que spécial qui concernait Timoun question et dans le moment conflit armé, l'ONU mettait dehors, l'ONU confirmait que 383 capables violations graves qui commettent sous 307 Timoun en Haïti pendant l'année 2023, 128 Timoun qui mourit pendant la période ça, violence sexuelle et Timoun, femme, petit garçon et femme et qui est bandit violé, mais ligue 41 femmes, filles, alors petite fille, qui est bandit violé. Et selon ça qui dit bon côté l'ONU qui fait qu'on est que gay 71 timoun qui kidnappé et ben dit yo même kidnappé pendant la période là et ça qui préoccupé et mais en dit et Nations Unies et surtout chef bien en Haïti à Maria Isabel Salvador qui encore lancé appel avec un déploiement rapide mission nationale sur la sécurité haïtien pour capable aider la police dans rétablir sécurité en Haïti zami internautes nous dans ça en plus mon quoi que je dis hein eh bien question mission ça lissant les retourner on vraiment au poisson d'avril puisque je dis là en plus m'a demandé bah mission ça galère mon a fait carré tant parce que c'est tourner pour attendre la question mission ça mais je dis après mon dit que mais que la police non arrangel que embryon la mia arrangel que yo dégage yo gien moyen nan men yo et pou rive mené bataille contre question gang armé yo Désir Venès. Désir Venès à travers ti vidéo ça gien de citoyens nan niveau Badelma yo même qui réagit. Yo réagit par rapport avec opération craser kay que la police a tamen nan Badelma. Et pas oublier que nan émission parler pour changement nan mitan journée ayer lundi an Kelito collaborateur nous t'ai signalé nous ça pour te dire que gien ensemble de kay qui t'est conservé comme cache-cache libre bandi armé yo. Alors nek barbecue yo. La police nationale d'Haïti à travers les services Angel Louli en dans la police non yo mobilisé pour capable craser kay ça parce que yo dit c'est kay ça qui servi comme et cache-cache libre bandi yo mais a craser pour capable j'ai plus espace pour capable entrer et pour empêcher que bandi vivant ensemble yo jwenn côté pour yo cacher. Est-ce que c'est dans optique ça que la police t'en met opération ça ou dis-moi est-ce que c'est des opérations que en pile monde bien ouais ou dis-moi est-ce que en pile monde mal ouel c'est des questions que n'a posé parce que je dis en pile les citoyens ça yo levé voix pour dénoncer condamner parce que yo dit la police a agi dans craser caillou
dans niveau bas d'Elma. Nous-mêmes, nous pas là pour nous juger, pour nous dire que est-ce que la police bien agit ou dis-moi est-ce que la police mal agit. Attendez, ça me dit, moi pas là moi-même en soi. On si les d'accord avec moi, des capable d'accord avec moi. Pas là pour me juger. Pour me dire que est-ce que la police bien agit ou dis-moi est-ce que la police mal agit. Mais n'a d'accord avec moi si que la police voulait mener bonne opération dans Badelma et tout ça qui capable servir comme obstacle pour empêcher que police mène opération yo, n'a d'accord avec moi que la police a éliminé obstacle ça yo. Vous ça me dit hein, ou pas d'accord avec moi mais son vérité son illogique. Tout ça qui casse cap servir comme obstacle pour empêcher que policiers nous yo mener opération pour démanteler bandits barbecue yo, y a éliminé obstacle ça yo. Si c'est kay, y a éliminé kay là. Si c'est barricade, y a éliminé barricade là. Si c'est moun, y a éliminé ça là parce que faut yo atteindre cible. Qu'est-ce que je dis hein? Nous pas écarter pour nous dire que quel est monde qui va d'accord avec modèle opération que la police a mené hein, qui rentre dans craser Kaimoun parce que c'est vrai que mon cap dit qu'il me galter là mon en fait 10 ans 15 ans 20 ans le travail dit pour mettre 2-3 rangées bloc campé et pas oublier acheter ciment acheter fer acheter sable pour faire kay en Haïti c'est pas vrai qui petit. OK pendant ce temps que nous on est chaque qui passe ciment fait à monter tête nèg mais je dis hein, est-ce que Kayo tout a servi comme et abri pour bandi tout? Yeah. Est-ce que Kayo a servi comme abri, comme cache-cache libre pour bandi yo? N'a dit non. Est-ce que la police a utilisé une plus bonne formule pour que li pa crase Kayo moun yo et pour le jeune bandi yo? C'est question à poser parce que nous pas techniciens nous-mêmes. Blaise. Sous permettement. Dans la dimension que quartier populaire, côté gang yo a fonctionné, dans le niveau collaboration que yon montré, que yon gen avec population qui dans zone yo, la difficile pour la police, ta entendre pour la faire pénétration, pour quitter espace qui gab ren que police yo pa wè dou yo. Ouè tout ça, qui dans zone côté qui gen gang yo, pour la police dans l'opération qui yon pral mené, sujet que nous gon force police, qui pa gen moyen aérien pour contrôler en l'air. Si vous avez moyen pour contrôler les affaires opérations, vous avez un hélicoptère ou bien un avion qui est pratiquement préparé pour ça. Ou écraser briser qui a fait là, c'est pas ta première option. C'est ta contrôle aérien qui t'a fait. Mais comme c'est terrestre que vous avez et très vulnérable, moyen terrestre que vous avez, ça ouais à faire, c'est comme ça li obligé fait et moun yo qui dans quartier populaire yo, en pile là yo baille la police impression pour agir comme ça par rapport avec dernier comportement que yo gagne dans tout dernier jour. Est-ce qu'on pas ouais barbecue utiliser moun yo dans coral 200 000 hommes, 300 000 hommes, 500 000 hommes qu'il te gagne parce que modèle coral que nous attendez là, c'est pas 5 6 voix qu'il te et barbecue c'est barbecue qui cible population dans Badelma parce que li montrer qu'il a distribué machette. Li dit la police yo dit la police a devant. Eh bien, population qui vive dans Badelma, dans le quartier populaire, yo, a devant tout, yo même y a derrière avec Zamio. Pour y attaquer la police ou bien quel que soit le groupe qui a vint déloger ou en dedans. Eh bien, yo fait manifestation pour bandio, pour montrer que bandio c'est sauveur, c'est barbecue qui paye caille pour yo, c'est barbecue qui veut être moun yo l'école. Ensemble, ça, yo, c'est tout simplement des indices qui permettent que la police arrive comprendre. L'arrivée en dedans, tout le monde qui est en dedans, c'est bandi qui oui. Nous pas dit que tout le monde qui est dans ces bandits. Mais quand tu t'es sorti, il y a l'impression que la majorité a marché dans la logique.